de Babylone était tombé sur Hollywood, le sort du serpent en code cunéiforme. Le scandale attendait, tout juste hors du champ de la caméra de Billy Biltzer. Du jour au lendemain, ces comédiens obscurs à la réputation quelque peu douteuse se retrouvaient propulsés vers l'adulation, la célébrité et la fortune. Certains parvinrent à faire face, à garder la tête froide. D'autres, non. On représente souvent le milieu cinématographique de l'époque se livrant hors caméra à d'incessantes frasques insensées. La légende oublie un détail, la peur. La peur omniprésente, érotique et excitante, que le rêve doré s'évanouisse à tout moment. L'aventure, tout le charme et toute l'excitation dont manque votre vie quotidienne vous attendent au cinéma. Le cinéma vous transporte loin, dans un monde nouveau et merveilleux, loin des barreaux de l'existence quotidienne. Échappez-vous ! Des milliers de jeunes naïfs en proie à la fascination de l'écran se laisser séduire par les promesses bidons d'école de la vocation. Une ruée vers l'or des dupes qui ne laissa sur le carreau que d'amères épaves. Les bonnes poires aux jolis visages, poches percées et bercées d'illusions, elles furent nombreuses à sombrer dans la prostitution. Quand ils ont commencé à me donner ce terrible poison, je ne savais pas ce que c'était. J'enchaînais les médecins. L'un d'eux a même ri quand je lui ai dit que je ne pouvais plus m'en passer. N'ayez pas peur, vous pourrez vous en passer quand vous irez mieux. Ces dépenses mensuelles consacrées à la blanche avoisinaient les 2 000 $. Chantage compris. Son cœur, à elle, s'arrêta peu après par surdose volontaire. La société de production imputa son décès à un régime trop sévère. Nous étions comme des libellules. Nous donnions l'impression de rester suspendus en l'air sans le moindre effort. Mais en réalité, nos ailes battaient très, très